Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment gagner 10$ chaque minute avec une nouvelle application de manière automatique. Comment faire? Voici comment gagner 10$ chaque minute avec une nouvelle application. Petit rappel, surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Parce que nous avons remarqué que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à notre chaîne. Et ne soyez pas timides. Si vous avez des questions à poser à propos de cette application, allez en commentaire et posez-les. Nous allons vous répondre avec plaisir. Il y a deux erreurs à ne surtout pas commettre lorsque vous voulez gagner de l'argent en ligne avec cette application. Donc, il est indispensable pour vous de regarder cette vidéo de la première à la dernière seconde sans sauter. Cette application que nous allons vous présenter aujourd'hui est internationale. Donc, peu importe où vous vous trouvez, vous aurez accès à cette application. Et en passant, mettez en commentaire le nom du pays auquel vous vous trouvez. Là, nos prochaines vidéos, nous allons prendre en compte le pays auquel vous vous trouvez. Il est temps de passer voir ces applications. La première chose à faire, c'est de se rendre sur ce site. Ce site est spécialisé dans les graphic design. En gros, ça fait quoi? Ça permet aux gens de faire des logos, des bannières, des flyers, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. La plupart des gens qui sont dans les réseaux sociaux, les Instagrammeurs et YouTubeurs, utilisent ce site. Ce site est vraiment important parce que ce site a un trafic de masse. En moyenne, ce site a 200 millions de visiteurs chaque mois. Vous vous imaginez. Surtout les gars, si vous êtes en train de kiffer, mettez-moi un gros bouton j'aime. Donc, quand vous êtes sur ce site, et ce site s'appelle crelo.com. Donc, vous allez juste venir sur ce site et là-haut, vous allez appuyer sur ce sign up. Ce sign up là, vous allez ouvrir un site gratuitement. Ce n'est pas payant, les gars. Donc, quand vous allez ouvrir là, vous allez cliquer là sur sign up. Vous allez remplir vos informations, l'email et le nom, etc. Et vous allez confirmer. Lorsque vous allez confirmer, voici à quoi représente l'interface de Crelo. Là, vous êtes sur Crelo. Et qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous arrivez ici? Vous allez juste venir ici et taper, par exemple, bon, on va par exemple taper là logo. À Crelo, on tape logo. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer un logo. C'est ça l'idée. Et vous voyez là, les templates prédéfinis. Donc ça, c'est là des templates que Crelo met à notre disposition. Donc, on peut juste modifier, customiser ça selon notre convenance. Admettons juste qu'on veut prendre celui-ci, par exemple. Admettons qu'on veut prendre celui-ci. On clique sur ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va customiser. Donc, on va, par exemple, changer le derrière, l'arrière-plan. Non, ça, je ne trouve pas ça beau. Oui, non, c'est ça. Disons qu'on va changer l'arrière-plan. Vous voyez, il y a tellement d'arrière-plan. On change l'arrière-plan ici. Disons qu'on va changer le texte. Donc, la police des miniatures, on va venir, on clique ici. Et là, on change. Donc, oui, celui-ci me plaît bien. On change la miniature. Donc, la police d'écriture, vous voyez. Elle a été changée. Donc, en gros, c'est quoi? Vous allez faire balader votre imagination, vous allez créer un très très beau logo. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici à download pour télécharger. Vous allez télécharger le logo en question. Et là, surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de me mettre un gros pouce bleu si vous êtes en train de kiffer la vidéo, les gars. C'est très important pour l'algorithme YouTube. Quand vous allez télécharger ça, qu'est-ce qui se passe? Vous allez utiliser maintenant le deuxième site. C'est l'un des sites les plus importants au monde, le plus influent même. Je dirais, ce site, c'est un site appelé Fiverr.com, c'est un site de freelance. En gros, c'est un site qui fait dans la vente des services, des microservices, etc., etc. Et ici à Fiverr, le logo que vous allez créer, vous allez venir juste créer un profil de vente ici à Fiverr et vendre ce logo en question. Donc, quand vous êtes à Fiverr, vous venez là juste à Sign It. Dans Sign It, vous allez créer un compte. Comme d'habitude, l'adresse email, etc., etc. Et lorsque vous êtes là sur Fiverr, vous allez aussi venir d'abord dans la catégorie logo. Vous voyez les différents prix d'abord pour essayer un peu de voir la différence un peu. Donc, vous voyez là, les prix des logos ici sont 30€, 25, 25, 360, le logo même. Et sous. Mais vous, pour débutant, vous n'allez pas vendre votre logo à ces prix parce que ça, ce sont des gens qui sont sur la plateforme depuis un certain longtemps. Donc, ils ont déjà une liste de clients.
vous allez juste venir upload votre profil, créer votre profil et mettre votre logo à 10€. Vous pouvez voir, lorsqu'on clique par exemple sur celui de 25€, vous allez voir le nombre de commandes qu'il a déjà en raison de 25€. Mais vous n'allez pas vendre à 25€, vous allez vendre pour vous à 10€ puisque vous êtes nouveau. Là, vous voyez, il a 500 commandes en raison de 25€. Et c'est la même chose que vous allez faire. Vous allez créer votre profil et venir. Vous n'êtes pas absolument obligé de créer des logos, non. Vous pouvez créer des vidéos, des intros pour des chaînes, vous pouvez créer des posts de publication pour Instagram, des flyers, mais utilisez Crelo.com pour venir vendre ça ici à Fiverr. C'est comme ça qu'ils font ces gens-ci. Donc vous allez faire la même chose, c'est créer votre logo et venir poser ça automatiquement. Lorsque les gens viendront juste commander, le logo vont être envoyé à eux automatiquement et c'est comme ça que vous allez recevoir l'argent via votre compte PayPal. Surtout les gars, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que prochainement on vous donne encore un moyen qui va vous permettre de gagner 10 fois voire même 20 fois plus. C'est un plaisir de faire cette vidéo.